J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler Dégustabox. Voilà, donc ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo Dégustabox parce que la première s'est très bien passée, sauf que la seconde j'ai eu un souci d'internet parce que j'avais emménagé avec mon chéri, on n'avait pas internet, ça a mis vachement de temps. Après je voyais pas l'intérêt en fait de la mettre le début du mois d'après en fait. Et ensuite j'avais bien filmé celle du mois dernier, sauf que quand j'ai regardé la vidéo il y avait aucun son et l'image était floue. Alors comment dire que j'étais dégoûtée, ça faisait très longtemps que mon appareil photo n'avait pas fait ça. Alors je prie pour que là ça marche parce que je crois que sinon ça va vraiment me saouler. Et donc du coup on se retrouve avec la Dégustabox du mois de août. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans, je n'ai pas encore vu. J'ai cru voir du coup sur Instagram qu'est-ce qu'il y avait à peu près. Je crois que j'ai vu deux produits. Après est-ce que je vais les avoir ou pas, parce que des fois on n'a pas forcément les mêmes produits. Parce que du coup quand j'ai pu aller la chercher, c'était samedi, c'était fermé le point relais où je l'ai fait livrer. Donc comme je travaille 3 jours toute la journée, j'ai pas pu y aller. Donc je vais l'ouvrir et on va découvrir ensemble. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Super, j'ai trop hâte. Alors, laissez-vous surprendre. En fait non, c'est peut-être celle de septembre du coup. Parce que c'est vrai que comme on la reçoit fin du mois, c'est pour le mois d'après finalement. Ok, donc Dégustabox, le thème c'est la rentrée. Alors ça me paraît logique hein, vu qu'on arrive à la rentrée dans quelques jours. Je vois quelques produits, ça me plaît déjà pour le moment. Et on va commencer par le gros produit qui est juste devant moi. C'est des gâteaux apéro. Alors déjà le packaging est trop choupi, enfin j'aime trop, c'est tout rose. Ça, on voit bien à quoi ressemblent les gâteaux. Enfin voilà, je trouve que ça fait envie. Moi j'aime bien quand c'est coloré, qu'il y a des. Voilà, c'est vachement sympa comme ça. Alors la marque Sunbricks, alors je ne connais pas, donc voilà. Je découvre un petit peu ce produit. Tuiles ondulées aux céréales, donc c'est riche en céréales et c'est au sweet chili, sans arôme artificiel, goût piment doux. Alors déjà si c'est doux, ça devrait être pas mal, parce que c'est vrai que j'aime bien quand c'est épicé, mais quand c'est trop fort, je trouve que c'est dommage en fait, personnellement, parce que ça me gâche un peu, je peux pas en manger beaucoup, et il faut que je fasse vachement attention, parce que sinon ça me fait vachement mal dans la bouche et tout ça. Donc, ce paquet coûte 1,55€, ce sont de fines tuiles élaborées avec des céréales complètes, maïs, blé, avoine, cuit au four, puis subtilement assaisonnées. Elles sont garanties sans huile de palme, ça c'est plutôt bien. Sans conservateur, sans arôme artificiel et avec un taux de sel réduit. Ça c'est cool. Alors au niveau du sel réduit, ils disent que c'est par rapport à la moyenne des chips et biscuits apéritifs. Donc voilà. Et c'est vachement sympa. J'ai trop hâte de goûter et il m'a l'air bien rempli. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis, franchement les gâteaux apéro, hein, j'ai envie de dire, c'est la valeur sûre. Alors, il y a un tout petit paquet juste là. Et ça a l'air super bon. Puis c'est sympa en fait parce qu'on a un tout petit paquet, ça permet de goûter et de savoir en fait si ça nous plaît. C'est des crunchy muesli granola. Donc ça c'est un petit cadeau. D'accord. C'est cool. C'est un petit cadeau en plus. Découvrez Chocapic crunchy muesli, de savoureuses pépites croustillantes issues du délicieux mélange de flocons d'avoine complète et de vos céréales préférées au bon goût de Chocapic. Et j'ai hâte de tester en plus, comme j'ai pas encore petit déjeuner, parce que j'ai emmené le lapin de mon copain au veto. Du coup j'y suis allée directement, j'ai pas petit déjeuner, donc je pense que je vais goûter ça juste après la vidéo. Voilà. D'ailleurs je voulais faire une petite parenthèse, si vous voulez avoir des avis sur les produits, parce que là je vous les montre en fait sans les avoir consommés, donc sans avoir vraiment d'avis, vu que j'ai jamais goûté, généralement j'ai jamais goûté, donc je peux pas vraiment vous donner d'avis. Est-ce que ça vous plairait que sur Instagram je poste en story et que je mettrai en favori d'ailleurs pour que vous puissiez voir, vous allez sur mon Instagram, vous voyez, je mettrai Dégustabox septembre, un truc quelque chose comme ça. Et comme ça, ça vous permet d'avoir les avis des produits, donc dites-moi en commentaire, moi je trouve que l'idée est plutôt sympa.
Voilà, donc je prendrai chaque produit en photo et dès que je l'ai goûté, bah, je vous mettrai sur mon Instagram, que vous pourrez voir en story, voire même aller sur mon compte, vous verrez dans mes favoris et ça vous permet d'avoir des avis. Voilà, donc dites-moi en commentaire. Parenthèse fermée, donc voilà, donc on va passer au produit suivant. Je sais pas trop quoi choisir, bah ça me tente bien, tiens, hop, c'est bon, j'ai tout. Alors, donc c'est des petites gourdes, il y en a que deux, oui. C'est des petites gourdes comme ceci, de la marque Vita Bio, je crois, non je crois que je ne connais pas. Donc il y en a une, c'est pomme mangue acérola, donc l'acérola je ne connais pas du tout non plus. 100% fruits et il y a pomme goyave cranberry 100% fruits. Et franchement, les packagings sont dingues. J'adore le fait que ce soit noir avec les couleurs dans tous les sens. Enfin, je trouve ça super sympa. Produit en France, sans sucre ajouté, ça a l'air super bon. J'ai trop hâte de goûter. C'est vraiment cool. Alors, donc ces produits, c'est 3,70€ les 4 gourdes. Donc là, on en a eu 2. L'Anka Bio, bon et pratique, une délicieuse recette fabriquée en France, 100% fruits, riche en fibres et sans sucre ajouté, donc contient les sucres naturellement présents. Emportez-les partout avec vous pour des encas sains et gourmands. Bah franchement ouais, c'est vrai que des fois j'ai un peu faim à 4h et bah je goûterai ça à 4h parce que c'est vrai que c'est, voilà, plutôt que de prendre un fruit, surtout que moi à chaque fois je prends des fruits et je trouve qu'ils pourrissent très vite, alors du coup ça c'est vraiment une valeur sûre. Donc vraiment contente. Alors ensuite j'ai vu un petit truc. Ah, j'ai jamais goûté comme ça. C'est cool. Donc c'est une barre de céréales Lion. Alors j'avais déjà mangé des barres de céréales, je crois que c'était Chocapic. Et après c'était les... je sais plus comment ça s'appelle. Les Special K sont super bonnes aussi. Enfin j'ai jamais été vraiment déçue. Après c'est vrai que je suis pas très barre de céréales. Mais ça doit être vachement bon parce que j'adore ces céréales là. Et du coup c'est... bam 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 là. Ah bah c'est aussi un cadeau. Bah c'est cool. On a deux petits cadeaux. Bah non on en a trois en fait. Là je viens de voir. Mais c'est vachement sympa. Franchement continuez si vous pouvez. Parce que d'avoir des petits échantillons comme ça, bah ça suffit déjà pour goûter le produit. Et c'est vachement cool. Du coup c'est Cluster Caramel... non attendez pardon. Lion Breakfast Céréale Bar est une barre de céréales au caramel et au chocolat au lait enrichi en vitamines, en 5 vitamines et calcium pour vous faire rugir de plaisir dès le matin. Donc ça c'est cool, ça c'est vachement bien. C'est dommage que bah du coup ma saison soit terminée parce que ça c'est bien un truc que j'aurais emmené dans mon sac pour le matin parce que souvent vers 10-11h j'ai faim, donc c'est cool. Et j'ai cru voir le dernier cadeau, ah non je l'ai pas vu. Bah je vais prendre ça, un gros, ah bah il est là, Capri Sun. Alors ça c'est pas vraiment un produit que j'affectionne parce que je trouve que ça a beaucoup trop le goût de sucre et de l'eau plus que les fruits. J'avoue que ça c'est vraiment pas un truc bah voilà, que j'aime beaucoup. C'est vrai que quand je l'ai vu là dans la boîte, je me suis dit ah c'est pas trop mon truc, mais je vais goûter parce que c'est goût quoi, Apple Strawberry, d'accord, sans sucre ajouté, 60% de jus minimum. Je vais goûter. Je verrai bien, mais j'avoue que j'en avais plus, je crois que c'était à l'orange. Ouais, je crois qu'ils faisaient que ça, parce que souvent moi je bois du jus de fruits ou du jus d'orange quand je vais dans un, bah, dans un endroit où McDo ou les autres endroits où on peut manger des, bah, de la restauration rapide. Une fois il n'y avait que ça, et j'avais été hyper déçue parce que c'était vachement fade et très sucré. Enfin limite c'était que du sucre. Mais je peux peut-être justement donner une deuxième chance et aimer. On verra. Donc... combien ça coûte? 2,10€. Donc c'est pomme fraise. D'accord. Ok. Il y en a 5 dedans, c'est ça? Ouais. Il y en a quand même 5. Donc c'est un beau paquet. Vous l'aviez adoré. Votre Capri Sun Fruit Crush fait le plein de nouveautés. Nouvelle recette riche en jus de fruits. Et nouveau look, mais toujours sans sucre ajouté. Découvrez dans cette box la saveur pomme fraise. Et laissez-vous tenter par Capri Sun Fruit Crush sans sucre ajouté. Donc voilà, donc je peux peut-être être, voilà. En plus ça a l'air pas mal. Pomme, ah bah non, moi c'est, il y a du raisin. Pomme, sucre, il y a du, on dirait qu'il y a du raisin, donc ouais bah à goûter. Ensuite j'aperçois le troisième cadeau, donc le dernier. Une autre barre de céréales, voilà. C'était spécial matin en fait, bah, comme c'est la rentrée, c'est vrai que c'est vraiment une bonne idée. Et ça a l'air super bon.
caramel et choco, cluster. Ça par contre j'ai déjà vu cette marque au magasin. Et c'est Nestlé qui fait ça. Ça fait comme des pétales, vous savez, je sais pas comment expliquer, vous savez les pétales comme dans les roses des sables. Je sais plus le nom en vérité, mais voilà. Et ça a l'air vachement bon avec de l'avoine on dirait. Bref. Donc c'est les clusters par Nestlé. Caramel et choco est une barre de céréales au blé complet, au chocolat et aux pépites de caramel. Elle est sans arôme ni colorant artificiel pour une pause gourmande assurée. Donc c'est vachement cool. Mais en fait j'ai tout envie de manger là, c'est horrible. C'est horrible. Ensuite, je vois du café. Alors, donc c'est nouveau, c'est Nescafé Azera Americano et on peut faire 55 tasses. Alors moi, je ne bois pas de café. Enfin, je bois que le café froid des supermarchés, vous savez, de la marque... c'est comment déjà oh mince. C'est la marque... il y a déjà un... Enfin bref, c'est pas grave. Et j'ai très du mal avec le café, j'en bois vraiment si je suis très fatiguée et que j'en ai besoin. Et du coup voilà, donc ça c'est vraiment pas un produit que je vais tester. Mais mon chéri boit du café. Il est en poudre, on a une machine pour ça, donc c'est parfait. Fallait pas nous envoyer autre chose parce que là on a justement une machine exprès pour le café en poudre. Donc au pire il testera et puis il nous dira. Et c'est le produit du mois. Donc Nescafé Azera Americano, 4,60€. Est un café long au profil doux, équilibré et peu amer, sublimé par une fine mousse veloutée. Retrouvez toute l'expertise et la créativité de nos baristas dans votre tasse. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que pourquoi pas. C'est plutôt une bonne idée, surtout que c'est quand même Nescafé, c'est quand même une marque. Enfin voilà, c'est pas donné, donc c'est plutôt cool. Un petit bon de réduction pour le Capri Sun si j'ai envie d'en acheter. Je ne sais pas, mais on sait jamais. Sinon, s'il y a une copine qui voudra, voilà. Ah, alors ça a l'air, mais... Vous avez pensé à moi en fait. Parce que j'adore ça. Et puis cette marque est vraiment pas mal. Des madeleines. C'est trop bon. En plus aux pépites de chocolat. Le must. Ce que je préfère. Pépites de chocolat. Alors une. En fait, la première box que j'avais pris chez eux, on avait un 4 quarts aux pépites de chocolat, mais des grosses pépites de chocolat. Je vous dis pas tellement c'était bon, c'était de cette marque-là. Mais c'était vraiment trop bon et d'habitude j'achète pas ce genre de choses parce que je fais un petit peu attention à ma ligne. Donc je m'autorise pas trop ce genre de choses, mais oh là là merci, hein. C'est trop bon ça. Et ce sera bien pour le petit déjeuner, voilà. Alors donc il y a 16 sachets et ce qui est cool c'est que c'est en sachet individuel. Et ça franchement c'est vraiment cool parce que quand tu ouvres le paquet au moins t'as pas les trucs qui vont se perdre, faut pas que tu te dépêches de les manger. Donc c'est vraiment cool. Et c'est de la marque Care Cadillac, madeleine extra moelleuse, chocolat au lait, et c'est nouveau, produit en Bretagne. Voilà. Hop. Et donc, c'est 2,65€ des madeleines gourmandes au bon goût de chocolat au lait pour plaire aux enfants, et aussi aux plus grands, hein. Une recette qualitative avec du blé français et de bons œufs frais, sans huile de palme, ni de conservateur, ça c'est vraiment important. Pratique pour l'emporter partout avec son emballage individuel, ça c'est vrai, franchement c'est vraiment cool. Je crois que j'aperçois un produit que je ne vais pas trop aimer. Alors attendez, ah oui d'accord, il reste 3 produits encore. Alors c'est un truc comme ça, alors ça c'est vrai que c'est pas donné, c'est vraiment de la bonne marque Maple Joe, c'est pas vraiment dégueu. Et cranberry syrup, donc du sirop de cranberry. Alors... je ne suis pas très fan du cranberry et je ne sais pas trop avec quoi je vais l'accompagner. Je chercherai des idées sur internet pour le manger. Après je crois que mes parents ils aiment bien donc au pire. Voilà. Alors du coup je ne le trouve pas, il est là-haut. Donc 5,10€ quand même un produit comme ça, ça ne m'étonne pas. J'avais déjà vu ce genre de produit en rayon et c'est vrai que c'est pas donné. Découverte et connue par les Amérindiens pour ses bienfaits naturels, la cranberry se retrouve... dans tous les plats salés et sucrés. Alternative fun au sucre blanc traditionnel, le sucre de cranberry Maple Joe donne une touche de peps au yaourt et une touche fruitée aux pancakes. Ça oui, je me souvenais bien que c'était pas mal pour les pancakes. Sirop 100% d'origine naturelle. Alors ouais, c'est vrai que si ça peut remplacer le sucre blanc, peut-être dans les gâteaux ou dans les petites choses comme ça, ou même ouais, dans les yaourts, c'est vrai que c'est pas mal. Je trouverais bien de toute façon, mais au moins goûter et voilà. Sinon, peut-être que je le donnerai à mes parents. Surtout que maman reçoit aussi des Glistabog, donc voilà. Alors, hop, je vais prendre le gros produit. Nouveau, ah, c'est du Nasty Pêche. Alors nous, on a abonné, c'est plus au Fusty. C'est tellement bon.
Mais Nesty, on n'avait jamais goûté. Alors pêche, puis mon copain adore le thé à la pêche, hein, donc c'est parfait. Et puis moi aussi j'aime beaucoup ça, donc il sera bu. Alors 1,59€, redécouvrez Nesty, une nouvelle identité, une nouvelle bouteille iconique et des nouvelles recettes sans arôme artificiel, sans conservateur et délicieusement rafraîchissante. Nesty, c'est l'équilibre parfait entre la saveur fruitée et de véritables feuilles de thé de grande qualité, vérifiée Rainforest Alliance. D'accord, bah c'est pas mal. Et puis bah, de toute façon on va goûter. Puis je vois que là c'est marqué thé noir, pêche. Et puis bah voilà quoi. Bah, j'avais jamais goûté donc c'est l'occasion. Hop. Ah, oh, c'est bon ça. Des petits haribots. Oh, à chaque fois on a des bonbons, j'ai remarqué, c'est trop bien. D'ailleurs les bonbons Bawam qu'on avait eu le mois dernier, il me semble que c'était le mois dernier, ils étaient trop bons. Voilà, et ça c'est trop bon aussi, j'adore les Dragibus, mais ils sont pas comme d'habitude. On dirait des petits M&M's. Et c'est 1,60€, c'est les Haribo Dragibus Color Pops. Bah c'est nouveau, non? Parce que je les ai jamais vus. Bah il n'y a pas marqué nouveau, alors je ne sais pas. Ah, ça convient aux végétariens. Avis aux végétariens, voilà, c'est ce qui est marqué, donc après je ne pourrais pas vous dire, mais voilà. C'est pas un sachet refermable. Dragibus Color Pops, le bonbon au cœur moelleux qui va vous faire craquer, une texture inédite, un Dragibus tout rond avec une coque croquante à l'extérieur et un cœur moelleux à tendre à l'intérieur. Je vais y arriver. Nouveau format à emporter partout. D'accord, oui mais ça se ferme pas, c'est ça qui est dommage. Moi j'aime bien quand ça se referme, c'est plus pratique. Et eh ben j'ai trop envie de goûter, mais ce sera pas maintenant parce que bon on est le matin, j'ai pas encore petit déjeuner. Hop, je vais le remettre dedans. Et le dernier produit, voilà, les indispensables d'une cuisine j'ai envie de dire, et c'est des pâtes, voilà, de l'Ustucru, torsade aux œufs frais comme à la maison. Et puis bah voilà, 10 minutes, 400 grammes, enfin voilà quoi, j'ai envie de dire, le classique. Mais c'est vrai que ça a l'air pas mal. J'aime bien en plus ces pâtes là en torsade, c'est vachement bien. Alors je pense pas qu'il y ait vraiment une différence de goût, je verrai, mais voilà. Les pâtes, j'ai envie de dire, tout le monde aime, donc c'est pas, voilà, c'est pas une mauvaise idée. 1,69€ le paquet. Nos pâtes comme à la maison sont fabriquées avec une semoule de blé dur française tamisé et 3 œufs frais au kilo. Grâce à notre savoir-faire et à cette recette unique, retrouvez la saveur des pâtes comme si vous les aviez faites à la maison. D'accord. Bah on verra, hein, s'il y a vraiment une différence. Ensuite, donc on a tout vu, mais derrière il y a toujours des petites infos. Alors du coup, ça, avec le café, vous pouvez faire un café limonade. Ok. Voilà, donc frais. Mais je sais pas si je vais goûter parce que j'ai un peu peur, mais sinon ok. Et avec le Maple Joe, vous savez, le truc que je suis pas trop sûre, vous pouvez faire un smoothie booster cranberry myrtille. Voilà. Voilà, voilà. Au pire, je vous partagerai les photos des recettes. Comme ça vous permettra de voir. Mais voilà, voilà. Et j'ai remarqué, il n'y a pas de concours ce mois-ci. D'habitude, il y a un petit concours de produits. Bon, je verrai sur leur petite page. Mais sinon voilà, plutôt satisfaite franchement, c'est vraiment cool. Il y a juste deux produits que je suis susceptible de ne pas aimer. Le Capri Sun, je ne sais pas, après ça a l'air pas trop mal, enfin voilà, c'est des goûts qui sont relativement pas trop mal. Le truc de cranberry, je sais pas trop ce que je vais en faire, je vais essayer de chercher des petites recettes, enfin voilà, puis au pire ça se garde assez longtemps ça. Donc au pire, si on se fait des crêpes un jour, je goûterai sur des crêpes, enfin voilà. Et le café, bah malheureusement, je vais pas pouvoir en profiter, mais c'est pas bien grave. Enfin, c'est pas comme si personne en buvait ici, donc voilà. Puis au pire, s'il y a des gens qui viennent à la maison, donc, vous voulez du café? Voilà, c'est nickel. Et puis bah sinon, bah après, c'est que des trucs que j'aime. Les gâteaux au perron, super bons, les gourdes, mais pas... Bah le thé, hein, il sera bu forcément. Les petits cadeaux, enfin, les petits cadeaux entre guillemets de céréales, c'est vraiment une bonne idée, donc je suis plutôt contente. Enfin voilà, relativement, franchement, je sais que je vais tout manger enfin, voilà, je sais que je vais tout manger et puis voilà, donc plutôt contente vraiment.
je suis encore agréablement surprise par cette box. C'est vrai que pour le moment j'ai pas été déçue, en plus 15€ la box, on paye même pas les frais de port, donc c'est cool. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à partager en commentaire vos avis, aussi de me dire au niveau de l'idée Instagram, d'avoir des avis sur mon compte. De toute façon le lien est en barre d'infos si vous le voulez. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.